Nous savons tous qu'il est difficile dans la vie de pouvoir avoir des relations sociales si nous n'avons pas un travail ou une source de revenus suffisant. C'est bien triste. Mais quand nous sommes dépourvus d'argent, nous ne sommes pas en mesure de participer ou d'échanger avec la majorité de notre entourage. Vous prétextez que vous avez quelque chose à faire quand on vous invite à sortir. Vous vous cachez en silence derrière votre porte quand vos propriétaires passent chercher le loyer. Ou vous tournez le regard quand vous passez devant les vitrines des magasins. Vous vous sentez exclu. Reprenez-vous. J'ai pour vous la solution à votre problème. Je vous propose de changer cette situation et de mettre les compteurs à zéro grâce à l'action surprenante du sabotage. Pour ce faire, vous n'aurez besoin que d'un seul objet qui ne vous coûtera pas grand-chose. Vous en avez sûrement déjà un dans votre cuisine. Et schlang, mais c'est une boîte d'allumettes. Eh oui, ces petits bouts de bois vous servent habituellement à produire du feu en les frottant contre un grattoir. Ils peuvent aussi s'avérer très utiles pour perturber les relations sociales basées sur la possession d'argent. Votre boîte d'allumettes en poche, rendez-vous dans le lieu où vous souhaitez aller. Sur le chemin, commencez le processus. Il vous suffit d'introduire, dès que vous voyez une serrure, qui d'un magasin, qui d'un distributeur de billets, qui d'un lecteur de carte bancaire, eh bien vous introduisez une allumette dont la partie qui dépassera sera coupée. Ainsi, tout autour de vous, les personnes se retrouveront dans la même situation financière que vous. Fini les discussions sur le prix des marchandises. Fini l'addition que vous ne pouvez pas payer ou les jugements de valeur basés sur le niveau social. Grâce au sabotage, vous serez d'égal à égal avec tout votre entourage. Ils seront aussi désargentés que vous et vous n'aurez jamais plus besoin de chercher un travail. Pépé, les bons conseils du vieux Pifou.